Good morning, allez, Yidan, les Suisses, aujourd'hui le Lunishmat, Mauvais Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Elézer Menachem, Man, Ben Azriel, Sarah, Bat, Hanna Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que Lirfouat, Sarah, Bat, Beti Rivka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Menachot, Perekyud, Mishnah Vav, Haomer, Haya Matir, Bam Medina, Ushte Alechem, Bam Migdash. אין מביא מנחות וביקורין ומנחת בהמה קודם לעומר, ואם מביא פסול קודם לשתי עליכם, לא יביא, ואם מביא כאשר. משנה, très très simple, ça nous parle de ce que le... On a déjà évoqué le sujet, partiellement au moins. Il y a deux corbanotes à faire à partir de Pessah. Bien sûr, on est au printemps, il y a les nouvelles récoltes qui viennent. On commence d'abord à apporter de la nouvelle récolte. On va apporter la minchata Omer, l'orge, le deuxième jour de Pessah, donc le 16 Nissan, quand on commence nous à compter le Omer. Et puis, après 50 jours, 49 jours, donc le 50e jour, on va apporter une deuxième minchat Bikurim. On va apporter les deux pains, avec cette fois-ci du blé, parce que ça fonctionne avec les moissons, avec les récoltes, où justement on commence à accueillir le blé. Il y a toujours, vous verrez dans la Torah, on parle de Yemeketzir Seorim, Yemeketzir Chitim. On lit à Shavuot justement, Bivayi Bimeketzir Chitim. Lorsqu'on va cueillir le blé, Chitim c'est le blé, et Seorim c'est l'orge. Donc on commence à cueillir l'orge, donc finalement, par rapport au calendrier agricole, il y a en parallèle, il y a les mitzvot que l'on doit accomplir. Dès qu'on commence à récolter l'orge, on apporte une mincha d'orge au Beit HaMikdash, et après quand il va avoir le blé, on va apporter une mincha, une offrande, une oblation de blé au Beit HaMikdash. D'accord ? Maintenant. On a commencé à parler de l'interdit du Issour Khadash, l'interdit de consommer les nouvelles récoltes. C'est-à-dire, si on a du blé qui a poussé, on a eu par exemple une année bissextile, comme c'est à l'année, donc on va se retrouver avec cette fois-ci, on va probablement pouvoir cueillir le blé un petit peu plus tôt. Il y a un interdit de consommer le blé, ou l'orge même, tant que l'on a apporté le korban du Omer, la minchata Omer, le deuxième jour de Pessah. Quand on va apporter ce korban, cette mincha, alors on va pouvoir permettre maintenant à consommer la nouvelle récolte. Eh bien, on va apprendre maintenant que ça, c'est bien pour la consommation profane. Mais par rapport au Beit HaMikdash, on ne pourra pas apporter de la nouvelle récolte jusqu'à Shavuot. À Shavuot, on va apporter la Minchat Bikurim. On va prendre la nouvelle récolte de blé cette fois-ci. On va faire les deux pains avec les deux moutons, comme ce qu'on avait appris longuement. On va les balancer pendant Shavuot. C'est la grande mitzvah de Shavuot. On va apporter ces deux pains, donc on va les balancer, puis après les Kohanim vont le manger, et dès lors on va pouvoir apporter maintenant de la nouvelle récolte au Beit HaMikdash. Vous avez compris qu'il y a un décalage donc. Par rapport à la consommation profane pour le commun des hommes, alors le deuxième jour de Pessah marque le coup d'envoi pour permettre la consommation de la nouvelle récolte, mais pour le Beit HaMikdash, on a un décalage, on va devoir attendre Shavuot. Dès qu'on va arriver à Shavuot, on va faire les Jeté Alechem, et on va pouvoir permettre maintenant d'apporter toutes les nouvelles récoltes, c'est-à-dire celui qui va apporter une mincha personnelle, un don, il veut faire une mincha par exemple, eh ben il devra apporter, jusqu'à Shavuot il apporte de l'ancienne récolte, à partir de Shavuot il pourra apporter de la nouvelle récolte. Et c'est justement tout le principe, je vous ai dit à l'oral, tout le principe qu'il y a dans la Mishnah avec quelques petits détails qu'on va tout de suite découvrir. Ha Omer haya matir b'medina, le Omer permettait, donc il permettait la nouvelle récolte b'medina, dans le pays, c'est-à-dire consommation profane, ou jeter alechem, tandis que les deux pains, bamigdash, il permettait la consommation maintenant, les nouvelles récoltes, au betamigdash. Et donc, en mevin menachot ou bikurim ou minchat behema kodem la omer. La Mishnah m'enseigne donc, tant que tu n'as pas apporté le veimevi pasoul, en mevin menachot, tu ne pourras pas apporter de menachot, d'oblation, ou bikurim, ou encore même les bikurim, les prémices des fruits, d'accord? On va expliquer tout de suite c'est quoi. Au minchat behema, et aussi une mincha que l'on apporte avec une behema, c'est-à-dire une oblation de vin, kodem la omer. On ne l'apportera pas avant que l'on a, tant que l'on n'a pas apporté le omer, la mincha du omer, vimevi pasoul. Et si il a apporté auparavant, c'est invalidé. Maintenant, kodem l'ishte alechem, il ne faut pas non plus apporter, même tant que l'on n'a pas apporté les deux pains de Shavuot,
Le Kodem Ishtalechem Loyavi, il ne les apportera pas. Vimevi Kacher, mais a posteriori, s'il les apportait, c'est Kacher. J'explique tout de suite de quoi on parle. On est bien sûr entré dans un peu plus de détails. Parmi les choses, les produits végétaux qu'on apporte au Beit HaMikdash, alors venons, on va faire un petit peu d'ordre des différentes choses qu'on peut apporter. Il y a tout d'abord, bien sûr, les menachot, les oblations de blé et d'orge avec les nouvelles récoltes. Mais il y a encore d'autres choses aussi. Il y a les bikurim. Les bikurim, c'est toutes les prémices de toutes les prémices des fruits, les sept fruits d'Israël. Vous savez bien, quand on a les... comme la Mishnah, il y a une massacre entière, une massacre de bikurim, on parle de ça. Quelqu'un qui va avoir les premières figues qui vont pousser, les premiers raisins qui vont pousser, il va devoir les cueillir et les apporter au Beit HaMikdash avec tout un rituel merveilleux qui est explicité dans Maseret Bikurim, dans Seder Zraim, c'est Michalal, d'accord, Seder Zraim. Et donc il y a un rituel comment les apporter. Ces fruits-là, l'usage était de les apporter à partir de Shavuot. Celui qui a eu une nouvelle récolte, qui a eu envie de les apporter avant même Pessah, et qui les a apportés même, ça a été invalidé. Et s'il a voulu les apporter de Pessah jusqu'à Shavuot, a posteriori, ce serait cachère. A priori, il faut attendre après Shavuot, a posteriori, ça va l'aider. Idem aussi pour le au Minchat Behema. Il y a marqué dans la Mishnah Minchat Behema, une oblation d'animal, de quoi on parle. Alors le Bartonoï nous explique qu'on parle de Minchat Nesachim Shel Behema. On parle des oblations de vin que l'on apporte avec un animal. Bon, on a déjà vu que l'on doit porter aussi un Chatsi Aïn, Revi Itaïn, Shliji Itaïn, apporter du vin aussi que l'on versait sur le Beit HaMikdash. Ce vin-là, il peut être de la nouvelle ou de l'ancienne récolte de vin. Alors, comment on a dit les nouveaux? Je ne pense pas. Il y a un mot spécial pour le vin qui m'échappe, mais c'est pas grave. Les nouveaux, nouvelles cuves, je ne sais plus. Bon. Et en tout cas, concrètement, on apporte du vin. Alors, de nouveau, la Mishnah me dit, sache que la nouvelle récolte de vin de cette année, tu ne pourras l'apporter qu'après Shavuot. A posteriori, si tu l'as apporté après Pessah, c'est validé. C'était a posteriori, mais c'est quand même validé. Et si tu l'apportes avant Pessah, ce sera invalidé complètement. D'accord? Je reprends dans les mots. En mevin menachot. On n'apportera pas des oblations, donc de blé ou d'orge. Ou bikurim, ou même les prémices des fruits, les sept fruits d'Israël. Ou vinchat behema, les oblations des animaux, c'est-à-dire les oblations de vin. Avec la nouvelle récolte, entre parenthèses. Kodem la homer, avant le homer. Oui, mais viens ici les apporter avant, c'est pasoul. C'est invalidé complètement. D'accord? Le Hadash, il est pour le moment interdit. Maintenant, Kodem l'Ishtalechem, si on se retrouve après le Homer, mais qu'on n'a pas encore fait la mitzvah d'Ishtalechem, c'est-à-dire que Shavuot n'est pas encore arrivé, alors, l'Oyavi ne devra pas encore les apporter, parce que ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de les apporter à partir du moment où on a eu la Minchat Bikurim, qui est à Shavuot, mais malgré tout, Vehim Evi, mais s'il l'a apporté, a posteriori, ce sera Kachar, ce sera quand même validé. Ce n'est pas un élément impropre à la conjonction. Le principe, comme il nous dit le Bartanora, Sheik Barutar, Michlalo et Tzala Idiot. Principe simple, il y avait un interdit qui était formellement interdit pour tout le monde. Et puis ensuite, il a passé une période où c'est devenu permis pour certains et interdit encore pour d'autres. C'est-à-dire permis pour les utilisations profanes, pour le commun des hommes, mais ça reste interdit pour le Beit HaMikdash. A posteriori, puisque l'interdit a été partiellement levé, alors a posteriori c'est quand même validé, même pour le Beit HaMikdash. C'est ce que ça veut dire chez Kvar, Hutar Miklalo et Tzaledyot. Il a déjà été permis par rapport à sa généralité, c'est-à-dire il était initialement interdit, il a commencé à être un petit peu permis, donc ça a levé pour le Beit HaMikdash, qu'a posteriori ce sera validé. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.